Bienvenue sur la chaîne de Dynamic Games. Donc on va essayer de faire toujours des vidéos sur les nouveautés. On a reçu cette semaine des petites nouveautés avant la sortie, ça sort le 3 mars. Donc on se retrouve pour le Wulong. C'est un jeu PlayStation 5, vous allez voir, ça va dans la lignée des Nioh, dans la lignée des Sekiro. Donc c'est assez dynamique, c'est pas évident à prendre en main. Les combats sont assez difficiles. Graphiquement c'est une tuerie absolue, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Un petit titre en fait, hein. C'est Tukate Koech Media qui a fait ça, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais, Tecmo Europe, c'est ça, Koech Media, tous les gens qui font Dynasty Warrior, etc. Mais par contre, c'est beaucoup plus technique. Vous allez voir, c'est par les programmeurs de Nioh. Je ne sais pas si vous avez connu Nioh, je ne sais pas si vous vous souvenez de Nioh. C'est un jeu assez difficile. Il faut faire attention au maniement du personnage. Là, vous avez la possibilité de récupérer du stuff plus ou moins efficace. Les épées sont plus rapides. C'est moyenâgeux, japonais moyenâgeux. Donc, si vous prenez des grandes lames avec faux, là, c'est beaucoup plus dur à jouer. Ça joue aussi sur des contres. Donc, il y a toute une histoire. Vous allez voir, c'est très, très bien. Et le second jeu qu'on va voir, c'est le Kirby qui a été remasterisé. Kirby Dream Land, Return to Dream Land, qui est terrible. Un très bon jeu de plateforme. Ça, c'est pour tout le monde sur Switch. Ça fait partie des très très bons titres qu'il ne faut pas louper. Très très facile à jouer dans la lignée des Mario ou Donkey Kong, vous allez voir, c'est vraiment terrible. On va voir quelques images, on va commencer par celui-là, qui est vraiment très très bien, graphiquement magnifique. C'est le gros titre de cette semaine. Et le Kirby. Allez, c'est parti les amis, allez hop! Peggy 16. Yes, I can see it. Fate intended for us to meet here. Embarquez pour une grande aventure avec Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Un beau jour, un vaisseau spatial s'écrase sur la planète Pop où vit Kirby. Pour aider Magolor à rentrer chez lui, Kirby et ses amis se mettent en quête des pièces éparpillées du galéronef Lore. Arpenter des dunes, nager à travers les océans, escalader des montagnes glacées et visiter d'autres paysages à couper le souffle au fil des aventures de Kirby. Aspirer et avaler certains ennemis pour obtenir des pouvoirs. En plus des pouvoirs épée, feu ou encore aiguille, de nouveaux pouvoirs font leur arrivée. Mecha, envolez-vous et affrontez vos ennemis à coups de poing et de laser. Sable, utilisez cette matière mouvante pour esquiver les attaques. Ou encore, invoquez de redoutables tempêtes de sable.
Utilisez toutes sortes de pouvoirs pour vaincre vos adversaires et terminer chaque niveau. Besoin d'un coup de pouce? L'assistant Magolore est là pour vous aider. Il peut doubler vos points de santé, vous tirer de très mauvaises passes et vous fournir des pouvoirs lors de combats contre des boss. Merci l'ami! Partagez l'aventure avec un maximum de 3 amis en mode coopératif local. Jouez Bandana Waddle Dee, le roi Dadidou et Meta Knight, ou bien 4 Kirby de couleurs différentes. Choisissez votre pouvoir favori et en route pour l'aventure! Avalez un ennemi qui brille pour obtenir un super pouvoir! Débarrassez-vous d'un paquet d'ennemis en un seul coup et brisez des obstacles qui sont normalement indestructibles. Vous pourrez même ouvrir des portails qui vous donneront accès à de mystérieux endroits dans une dimension parallèle. Kirby saura-t-il trouver toutes les pièces du vaisseau de Magolore et l'aider à rentrer chez lui? Bienvenue au parc Magoland. Ici, vous découvrirez 10 mini-jeux dont vous pourrez profiter avec vos proches et vos amis. Présentons d'abord les deux petits nouveaux. Envie de bouquiner? Trouvez de quoi lire dans la chasse au tome de Magolore. Dans ce mini-jeu, l'ambiance est explosive, au propre comme au figuré. Et maintenant, voici les 8 favoris issus des précédents jeux Kirby. Gobuff, Kirby Samurai, Coussismic, Course Crash, Chasse sur l'échiquier, Passe la bombe, Kirby fait la loi, Dojo Ninja. Chaque mini-jeu est accessible à un maximum de 4 joueurs. Jouez à des mini-jeux dans le parc Magoland pour gagner des tampons que vous pouvez échanger contre des masques à porter ou des objets utiles pour l'aventure. Le directeur Magolore vous confiera aussi des missions pour chaque mini-jeu. Réussissez-les pour gagner des masques super spéciaux. Jouez en ligne et le directeur Magolore vous indiquera les records mondiaux pour chaque mini-jeu. Vous pourrez aussi vous mesurer à d'autres dans le grand affrontement de 100 joueurs, le Kirby Samurai 100. Après avoir terminé le mode histoire, vous débloquerez une nouvelle aventure, l'épilogue de Magolore, le voyageur interdimensionnel. Magolore a perdu ses pouvoirs et doit s'échapper du royaume entre les dimensions. Au départ, il ne peut réaliser que des attaques simples et des sauts. Mais en explorant ce royaume et en gagnant des points de magie, il pourra progressivement retrouver ses pouvoirs d'origine. Ses pouvoirs peuvent être améliorés. À vous de voir comment vous voulez personnaliser Magolore. 4 joueurs peuvent explorer ce mystérieux univers ensemble sur la même console. Le travail d'équipe, y'a que ça de vrai. Et ce n'est pas tout. Récupérez des sphères d'énergie lors de l'aventure principale pour déverrouiller des stages défis. Rendez-vous au Galéronef Lore pour relever ces défis spéciaux. Utilisez le pouvoir dont vous disposez et tentez d'obtenir le meilleur score possible. Allez encore plus loin avec le mode extra, disponible une fois le mode histoire terminé. Ce mode présente plus d'ennemis et moins d'objets de guérison pour une aventure plus coriace. Ah oui, et les boss sont aussi plus forts. Bonne chance! Enfin, mesurez l'ampleur de vos talents en solo ou avec des amis dans l'arène. Combattez d'anciens boss dans une lutte acharnée et tâchez d'en ressortir victorieux. Avec des histoires, des mini-jeux, des super-pouvoirs et bien plus encore, votre aventure sera assurément extraordinaire. Amiibo ! Kirby's Return to Dreamland Deluxe est compatible avec les Amiibo.
scannez n'importe quel amiibo pour recevoir des objets qui vous aideront dans votre aventure. Et scannez un amiibo de la série Kirby pour décrocher de meilleures récompenses. Et voilà, ça vous a permis de vous faire une idée un peu du jeu, des deux jeux, de ces deux jeux. Donc Wulong sur PS5, hein, qui vaut 69€ en prix public. Et le Kirby Dream Land qui est 59€. Donc vous n'oubliez pas que dans tous les Dynamic Games, vous avez la possibilité de récupérer, de ramener vos jeux d'occasion pour avoir une réduction de jeu neuf, que ce soit du neuf sur Switch, sur Xbox One, même si c'est très dur d'avoir des jeux sur PS5, sur PS4, etc. Spécialiste du jeu vidéo depuis 1996, donc n'hésitez pas à nous ramener vos jeux d'occasion, que ce soit des vieilleries, ce que j'appelle les vieilleries, c'est les Super Nintendo, les NES, etc. Tous les Dynamic Games ont leur particularité. Moi, je fais de la réparation de consoles à Chaland et on vend toute génération de jeux. On essaie de trouver même des vieux jeux, si on peut en avoir en neuf, les éditeurs ont un peu de mal. Et je devrais avoir aussi quelques nouveautés Ubisoft prochainement en bêta test. Donc je pourrai vous faire découvrir ça en avant-première. Donc on se reverra sûrement pour une prochaine vidéo les amis. Donc je vous dis à très bientôt et puis bonne journée à vous. À très bientôt. Bye bye.